Avez-vous déjà entendu parler de la charité romaine, cette scène extraordinaire qui présente une jeune femme allaitant un vieil homme? Dans cette vidéo, nous partageons avec vous l'histoire qui est immortalisée à travers cette magnifique peinture. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne. La fabuleuse histoire derrière ce tableau est celle d'un pauvre vieil homme du temps de Louis XIV qui a été reconnu coupable d'avoir volé une miche de pain et condamné à la peine de mort. Une mort tragique qui était de mourir de faim. Sa fille Perrault, ayant pris connaissance de la condamnation de son père Micon ou Simon, demanda l'autorisation de rendre visite à ce dernier et elle lui fut accordée. À chacune des visites de la jeune dame, les geôliers la fouillaient minutieusement ainsi que le bébé de 6 mois qu'elle portait, pour s'assurer qu'elle n'apportait pas de la nourriture à son père, puis la laissaient entrer, et ce une fois par jour. 4 mois plus tard, l'homme vivait toujours sans maigrir. Les autorités perplexes veillèrent à ce que sa fille fût espionnée puisqu'elle était la seule à rendre visite à son père. L'un des geôliers qui la surveillait s'aperçut qu'elle donnait le sein à son père. Les autorités et les juges, étonnés de découvrir ce que faisait Perrault par amour pour son père, éprouvèrent de la compassion pour elle et au lieu de la condamner, furent cléments et ordonnèrent la libération du vieux prisonnier. La jeune femme avait ainsi pris un gros risque pour maintenir son père en vie. Un grand et célèbre peintre décida d'immortaliser cette belle histoire en réalisant une peinture. Ce magnifique tableau a été vendu à plus de 30 millions d'euros à un collectionneur. Ce tableau pourrait choquer certains ou amuser d'autres, mais l'histoire qu'il transporte est magnifique. Que vous inspire cette histoire? Vos réactions sont attendues dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir un signal chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée.